Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, Centre du golf. Voici Jérôme Blais. On cherche tous à faire un élan en équilibre du début jusqu'à la fin. Alors, pour frapper en équilibre, il faut d'abord avoir une bonne position en équilibre. Je vois les gens des fois avoir le poids sur le bout des orteils ou sur les talons. Ce que ça l'occasionne, c'est lorsqu'on fait notre élan et que le poids est sur le bout des orteils, par exemple, on va chercher à restabiliser tout le long de l'élan arrière. Et là, ça devient plus complexe. Quand on n'est pas stable en partant, ça complique les choses. Alors, ce qu'on veut ressentir, c'est que le poids est vraiment bien centré dans nos pieds et légèrement à l'intérieur de l'arche de nos pieds. De cette façon-là, on est bien stable dès le départ, ce qui va nous permettre de faire un élan en équilibre et en contrôle. On essaye ça. Alors, lorsque vous allez au champ de pratique, portez une attention particulière à ce petit point technique. Ça va vous aider à faire des élans en bon équilibre. Bon golf!